Nous en avons terminé avec le quatrième article du Credo. A souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Et nous passons maintenant au cinquième article de notre Credo. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Cet article comprend deux parties. La première partie est descendu aux enfers. La deuxième partie, le troisième jour, est ressuscité des morts. Arrêtons-nous maintenant sur cette première partie du cinquième article. Est descendu aux enfers. Notre Seigneur donc est mort sur la croix, son corps a été détaché de la croix, puis il a été enseveli dans le tombeau, mais là, il a été gardé avec soin par des soldats. Vous avez une garde, eh bien allez, gardez-le comme vous l'entendez, dit Pilate. Et eux s'en allèrent au sépulcre, le fermèrent bien, mirent le sceau sur sa pierre et posèrent des gardes. Le tombeau est donc bien gardé, notre Seigneur est mort. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Simplement, le corps de notre Seigneur, qui n'est plus uni à son âme parce qu'il est mort, ce corps de notre Seigneur n'est à proprement parler pas un cadavre. C'est-à-dire que ce corps ne peut pas tomber en décomposition pour cette simple raison que ce corps reste toujours uni à la divinité. L'union hypostatique demeure pour le corps de notre Seigneur. C'est un corps, c'est le corps d'un Dieu, notre Seigneur est Dieu, et cette union que l'on a étudiée lors de l'incarnation, eh bien demeure entre le corps et la divinité. Et la divinité donc conserve ce corps sans qu'il puisse donc se décomposer. Pendant ce temps, l'âme de notre Seigneur, nous dit le Credo, descend aux enfers. Alors, qu'est-ce que les enfers? Le mot « enfer » vient du latin « inferi »,« inferni ». Ce sont les lieux inférieurs, des lieux bas. Alors, qu'est-ce que l'enfer? Il y a trois acceptions du terme. On parle de l'enfer quand on parle de ce lieu où les damnés sont suppliciés pour l'éternité, ce lieu des maudits. « Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour vous. » Voilà donc le premier sens de l'enfer. C'est celui, peut-être, que nous employons le plus couramment. Deuxième sens de l'enfer, c'est le purgatoire, ce lieu où les âmes qui, mortes en état de grâce, vont aller au ciel, mais doivent être encore purifiées. Alors, le purgatoire est appelé parfois « enfer ». Et puis, troisième désignation de ce mot « enfer », c'est ce que l'on appelle les limbes des patriarches. Et c'est dans ces limbes des patriarches que notre Seigneur se rend substantiellement avec son âme. Qu'est-ce que ces limbes des patriarches? On les appelle aussi le sein d'Abraham. Quand dans une des paraboles que notre Seigneur fait à ses disciples, le pauvre Lazare meurt devant la maison d'un riche, il se retrouve dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été agréable à Dieu. Abraham, entre tous les patriarches, a été choisi et constitué comme le père d'une multitude, le père des croyants, de telle sorte que ceux qui imitent sa foi, et son obéissance d'ailleurs, sont dits reposer dans son sein. Bon, alors ces limbes des patriarches sont un lieu dans lequel se trouvent les justes, c'est-à-dire qu'ils soient juifs ou gentils, purifiés de leurs péchés et attendant que le ciel soit ouvert par notre Seigneur. Ils sont donc morts en état de grâce. Ils sont morts avec la charité de Dieu. Ils ont la grâce, ils ont la charité, ils ont été purifiés de leurs péchés, mais ils ne peuvent pas encore rentrer au ciel. Le ciel est fermé. Et c'est la passion de notre Seigneur qui va ouvrir le ciel. Et naturellement, c'est notre Seigneur qui va y rentrer le premier. C'est lui le chef, c'est sûr, c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui le Seigneur. Donc c'est lui qui a cet honneur de rentrer le premier au ciel.
les patriarches, c'est-à-dire les justes de l'Ancien Testament, juifs ou gentils, donc ces patriarches qui sont en état de grâce, ne sont pas encore au ciel. Ils sont dans un lieu spécial où ils jouissent d'un certain bonheur naturel, mais où ils attendent aussi avec espérance la venue de notre Seigneur, de leur délivrance future et de leur prochaine entrée au ciel. Alors que fait notre Seigneur ? Il se rend aux enfers, c'est-à-dire il se rend dans ces limbes où l'on retrouve tous les saints patriarches. Abraham, certainement. Isaac. Adam. Abel, le juste. Pour prendre le premier d'entre les morts, Abel, le juste. Il y a si longtemps qu'Abel attend le Sauveur, attend de pouvoir entrer au ciel. Et puis notre Seigneur a dû certainement scruter tous ceux qui se trouvaient là, et jusqu'aux derniers, qui sont peut-être morts récemment. Pensons à Saint Joseph, par exemple. Saint Joseph, probablement mort, est au limbe. Il attend notre Seigneur. Et notre Seigneur rentre donc après sa mort, durant ces 3 jours qui vont séparer sa mort de sa résurrection, il rentre dans ses limbes et il annonce à tous les justes sa rédemption. Saint Pierre, n'est-ce pas, dit dans sa première épître, « Jésus-Christ, mort une fois pour nos péchés, vint prêcher les esprits retenus en prison. » Il leur apporte la bonne nouvelle, ça y est, la rédemption est acquise, vous êtes rachetés, le ciel va être ouvert. Bientôt, je vais vous emmener, pas tout de suite, il vous faut encore attendre un petit peu, mais c'est très bientôt. Joie, joie de la rédemption, joie du ciel et de la béatitude qui va être enfin offerte à ces âmes justes. Notre Seigneur leur annonce donc la rédemption, puis il les réjouit par la contemplation de son âme. Il se montre à eux, vrai homme, vrai Dieu, et d'une certaine façon déjà dans sa gloire. Voilà pourquoi il avait pu dire sur la croix au bon larron qui lui avait demandé d'avoir une place au paradis, « Souviens-toi de moi lorsque tu seras en paradis. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu me verras, tu contempleras ma rédemption. » Et c'est ce que le bon larron peut faire assurément au limbe en voyant notre Seigneur. Parce que là où est Jésus, là est le ciel. Ensuite, donc, il redonne l'espérance de l'entrée triomphale au ciel à tous ces justes, c'est entendu. C'est vous aussi qui, par le sang de votre alliance, avez fait sortir les captifs du lac qui était sans eau. C'est le prophète Zacharie qui dit cela dans l'Ancien Testament. Alors, on imagine la joie de ces justes, et puis en même temps l'adoration qu'ils ont dû rendre à notre Seigneur, eux qui, dans l'Ancien Testament, avaient espéré. Abraham vit mon jour, et il s'en est réjoui. Et dit notre Seigneur dans l'Évangile. Alors, voilà, notre Seigneur a rendu visible avec son âme, substantiellement, à tous ses justes, ses patriarches. Notre Seigneur n'est pas allé au purgatoire, substantiellement. Notre Seigneur n'est pas allé en enfer, substantiellement, avec son âme. Ça n'était pas possible. Simplement, les âmes du purgatoire et les âmes qui sont en enfer ont éprouvé quelque chose après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un effet de sa mort, c'est sûr. Pour les âmes du purgatoire, on peut bien penser qu'elles ont obtenu un adoucissement de leur peine. On peut bien penser que certaines même ont été délivrées par cette rédemption. En tout cas, de la même façon qu'il y a eu un tremblement de terre, n'est-ce pas, au moment de la mort de notre Seigneur, de la même façon, on peut penser qu'au purgatoire, non pas un tremblement de terre, mais il y a eu un effet de cette rédemption, peut-être une accalmie de souffrance, certainement, adoucissement de peine. Et puis notre Seigneur a manifesté aussi, mais là d'une toute autre façon, sa puissance aux âmes qui étaient en enfer. Mais cette fois, non pas pour les soulager, non pas pour les délivrer, parce qu'on ne peut pas sortir de l'enfer. Notre Seigneur
leur a certainement manifesté, de quelle façon on n'en sait rien, mais son triomphe. Le triomphe du péché, le triomphe de la mort, la réparation de nos péchés et l'obtention de la vie éternelle. Et notre Seigneur a dû montrer quelque chose de sa passion et de sa rédemption à ses âmes et à ses démons qui se trouvent en enfer, en leur manifestant qu'ils auraient pu, par la foi et l'espérance en son nom, obtenir le ciel, obtenir la rédemption qui a été justement offerte pour tous les hommes, pour toutes les âmes, et quel que soit leur péché. Mais voilà, ces âmes n'ont pas voulu de la rédemption. Et notre Seigneur, à ces âmes qui se sont rebellées contre lui, leur manifeste sa puissance. Leur rébellion est bien au contraire une impuissance. Voilà donc pour cette première partie de notre cinquième article, est descendu aux enfers. Il nous reste donc à voir, pour ce cinquième article, le troisième jour est ressuscité des morts.